aussi une période tourmentée en dehors du terrain. Je connais évidemment très bien Paul, avec qui j'échange régulièrement. Il va tout faire pour revenir au plus vite, mais sans prendre de risques non plus. Mais aujourd'hui, voilà, je vous le dis sincèrement, personne, même lui, qui que ce soit, et encore moi aussi, peut affirmer que vous dire oui, non, depuis que je suis là, je n'ai jamais, pour un tournoi final, pris un joueur s'il n'était pas totalement rétabli. Et Paul est suffisamment, il a suffisamment de respect pour lui-même aussi. C'est pas un géo, il n'est pas là pour venir amuser la galerie. Mais Paul, il ne va pas venir là parce qu'il fait partie des cadres, être un leader et pour juste être là. Il ne veut pas ça. Et puis, ça n'a pas de sens. On est dans la compétition, il y aura des compétiteurs et ceux qui seront sélectionnés sont aptes à répondre à ces exigences-là. Il a, comme vous le savez, dans son domaine privé, avec évidemment la justice qui fait son travail, voilà, aujourd'hui c'est ça. Donc, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui est solide, qui a du caractère et il est focus sur le terrain. Ce qui va l'amener à revenir sur le terrain. La Fontaine à 16h.